Et à présent, nous recevons sur ce plateau William L. pour une autre chronique. William, cette semaine, vous allez nous parler de l'Opivois. Tout à fait, Florane. Alors, l'Opivois, qu'est-ce que c'est ? L'Opivois, c'est un bailleur social. D'ailleurs, c'est le second plus gros bailleur social de France. L'Opivois, en quelques chiffres, c'est plus de 50 000 logements étalés sur 7 départements d'Île-de-France. Ils sont présents sur 191 communes et logent plus de 180 000 personnes. D'ailleurs, dans les Yvelines, ils totalisent plus de 17 500 logements. L'Opivois, ça se décompose en deux organismes. Le principal, c'est l'OPH Opivois, l'Office public d'habitat interdépartemental, qui a été créé en 1920 par le président de la République de l'époque. Donc, c'est une structure assez ancienne. Le second, c'est l'association Logotel, qui a été repris en 1999 et qui propose un accompagnement social et une réinsertion par l'habitat temporaire. Alors, William, pourquoi vous êtes intéressé au bailleur social aujourd'hui ? Alors, c'est plutôt simple. En réalité, l'Opivois, aujourd'hui, est victime de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénovée, plus communément appelée loi Allure. Concrètement, cela veut dire qu'au 31 décembre 2016, les offices HLM publics devront être rattachés à une collectivité locale unique. Alors, première solution, c'est la région Île-de-France qui aurait pu la reprendre, mais Valérie Pécresse y était opposée. Ça a été voté la semaine dernière. La reprise ne se fera pas. L'annonce a été faite. Le sort de l'Opivois ne dépend pas de la région. Il dépend et il est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui a pris ses responsabilités en rédigeant une loi Allure qui a tenté à un moment de forcer la main de la région et de l'obliger quasiment à reprendre l'Opivois. Le rôle de la région, c'est d'impulser une politique, d'aider, par exemple, les Franciliens qui le souhaitent et qui le peuvent à devenir propriétaires, d'impulser une véritable politique du logement en cofinançant du parc locatif social. L'ambition de la région n'est pas de devenir constituer un patrimoine immobilier. Alors si j'ai bien tout compris, c'est surtout une difficulté d'accord entre l'État et les collectivités territoriales. Tout à fait, Florane. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est surtout la dette de l'Opivois. Une dette qui s'élève à plus d'un milliard d'euros et surtout une dette dont personne ne veut. Alors quelles seraient les solutions dans ce cas ? Justement, on est au cœur du problème aujourd'hui, puisque le Conseil régional d'Île-de-France ne reprendra pas l'Opivois. Le bailleur ne peut plus continuer à exister sous cette forme, c'est-à-dire qu'il sera certainement dissous et chaque département devra se débrouiller seul de son côté, soit en trouvant un bailleur privé, soit en passant par un office habitat départemental, comme c'est le cas pour le Val-d'Oise avec Val Office Habitat. Problème, dans les Yvelines et dans l'Essonne, il n'en existe pas. Alors, les présidents des deux conseils départementaux avaient envisagé la création d'une structure il y a quelques mois. Nous avons contacté l'Opivois ainsi que son président Pierre Bédier, qui pour le moment ont refusé toute demande d'interview sur le sujet. Nous avons par contre rencontré un administrateur et représentant des locataires de l'Opivois dans les Yvelines qui nous a fait part de ses craintes quant au devenir de la structure. À l'échelle des grands groupements comme Pierre Bédier est en train de faire avec l'Océan, avec le GPSO, pourquoi pas se doter d'un outil de 80 000 locataires ? C'est, je ne comprends pas. D'un côté, on favorise les regroupements intercommunaux, on favorise les grosses structures, les hyperstructures, et une hyperstructure comme pouvait l'être l'Opivois, on la casse pourquoi ? Parce que les conseils départementaux veulent leur office, veulent leur petit précaré, veulent gérer de la gestion locative, du logement social. Nous, les locataires, au sein de l'Opivois, on ne nous informe pas. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on soit informé, qu'on soit associé au processus décisionnel et pas comme c'est fait actuellement, où on nous associe strictement à rien. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que les locataires, du moins ce que demande ce représentant, c'est de pouvoir donner leur avis dans les décisions qui vont être prises et surtout d'être tenus au courant de ces décisions. Les locataires qui seront les premiers impactés par les changements, nous sommes d'ailleurs allés en rencontrer quelques-uns. Non, je ne suis pas inquiet parce que ça va bien être repris à un moment ou à un autre, ou séparé, ou il y aura bien quelque chose. Si c'est incertain, je ne sais pas ce qu'on va devenir, ça va être encore pire, ça promet. Moi j'ai aucune appréhension par rapport à ça, parce que de toutes les manières, que ce soit l'Opivois ou un autre bailleur, ça sera toujours la même chose, les bâtiments seront toujours là, les locataires aussi. On aura toujours notre travail à faire, à effectuer, que ce soit moi, gardien, ou même mes collègues chargés de clientèle, responsables de site et autres cadres. Eh bien, ils n'ont pas l'air vraiment inquiets, William. Non, Florane, et c'est d'ailleurs ce que nous a confié cette dernière personne, qui est gardien à Saint-Cyr-l'École, c'est que les locataires auront toujours un toit sur leur tête et que les bâtiments seront toujours là. Simplement, aujourd'hui, aucune solution n'est encore proposée par les dirigeants de l'Opivois, qui, je le rappelle, ne pourra pas continuer à exister sous cette forme.
C'est un dossier donc assez important qu'il va falloir suivre. D'ailleurs, une première réunion avec les dirigeants est prévue la semaine prochaine. Les locataires auront donc normalement plus de certitudes quant à l'avenir de la structure le 8 mars prochain. Merci beaucoup, William, pour toutes ces informations. Cette chronique était très intéressante et je ne vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment.